normal de vouloir choisir sa vie. Madame la comtesse, votre époux, le comte de Perrac. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. Et je vous laisse préparer, madame. La rouge vous irait à merveille. N'attendez rien de moi. Je ne vous appartiendrai jamais. Vous avez raison. C'est vous qui viendrez à moi. Arrêtez, monsieur! Ne risquez pas votre vie. C'est votre honneur et le mien qui se joue, madame, et cela n'a pas de prix, comme votre amour. Vous saignez encore? Oh, rien de bien méchant. Laissez-moi parler. Je pense qu'il est temps que j'obéisse à mes devoirs d'épouse. Vous ne partez non plus? Non. Le comte de Perrac est aussi puissant qu'il n'est indépendant. Demain, sa fortune sera supérieure à celle du roi. Cet homme doit bien avoir une faiblesse. Il est amoureux de sa femme. Dans ce cas, provoquez-le sur ce terrain. As-tu de ta vie précédente quelques péchés à confesser? Oui, mon père. Par ma faute, un homme de Dieu est mort. Prenez ces lettres et vous survivrez. On ne se bat pas contre le roi de France. Par ordre du roi, vous êtes en état d'arrestation. Jamais je n'abandonnerai mon mari. Il faut la protéger. Elle est en sécurité. Non, elle est en danger. Les tiens n'ont plus voulu de toi, mais moi, je t'offre une nouvelle vie. Tu seras leur marquise. La marquise des anges.